Mes chers amis, bonsoir. Bonsoir, que vous soyez gilets jaunes ou pas, et il est temps de devenir gilets jaunes, de rejoindre le peuple, mes chers amis. Alors, ce soir, je vous ai prévu, euh, juste donc pour vous montrer comme annoncé, un, un, un parmi les Gaulois qui ont été euh, magnifiques. Donc ce samedi acte 19. Euh, et non, ce n'est pas une célébrité parce qu'on m'a proposé le nom de, de Gérard Depardieu. Et non, 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 c'est pas... Euh, là, je parle de Gilets jaunes Gaulois. D'accord ben, Je vais vous le montrer euh, sans plus attendre. Et donc comme ça, euh, ce live ne va pas être très très lent. Et on va en parler ensemble. Donc vous avez remarqué qu'il n'y a pas eu d'événement majeur et c'est tant mieux. Hein, je, on ne peut que s'en féliciter. Euh, voilà. Il faut rester euh, méfiant toute la semaine, voir qu'est-ce qu'ils vont nous pendre pour masquer l'actualité du prochain euh, donc acte 20, acte XX, donc samedi prochain. Hop. Alors voilà je vais vous montrer donc euh, une vidéo ça s'est passé euh, à Montpellier donc lors de euh, cet acte 19 regardez regardez ce gaulois gilet jaune regardez son courage regardez son sang froid hein, c'est c'est les deux des qualificatifs d'un Gaulois. Il faut être vaillant, il faut avoir de la maîtrise, d'accord De l'intelligence, du courage. Et bien entendu, il faut euh, être contre la tyrannie, donc du côté du peuple, et il faut être gilet jaune. Alors sans plus attendre donc je vais vous mettre ce fabuleux héros ce magnifique gaulois gilet jaune je suis gaulois et je vous appelle à devenir au plus vite gaulois c'est à dire créateur et surtout pas pas créateur de problèmes créateur de de bien, soyez créateur de bien. alors regardez à quel point il est jeune, hein? il est jeune à quel point et avec quelle maîtrise. donc il a su négocier. donc le, le la charge, on va dire la charge des forces de l'ordre, des crs, il ne s'est pas laissé embarquer dans les provocations. il a agi comme vous devez et tous agir c'est à dire qu'il a essayé d'expliquer calmement qu qu'il était sur la voie publique euh, qu'il ne faisait rien de mal et à chaque fois qu'on lui demandait de reculer il reculait et lorsque il a été euh, on va dire bousculé y compris agressé il n'a jamais réagi par la force il a laissé faire tout en continuant à essayer de dénouer la situation et à expliquer ses droits, à expliquer euh, euh, son absence d'agressivité et euh, sa position, donc son message de Gilet jaune, voulant juste afficher son Gilet jaune et circuler sur la voie publique. Voilà, je vous montre ce magnifique Gaulois. Euh, qu'il n'a jamais réagi euh, par la force, mais uniquement en obtempérant, c'est-à-dire qu'il a reculé, mais qu'il a essayé d'expliquer pourquoi il était là et qu'il qu avait le droit d'être là. Euh, voilà, je vous invite tous et toutes à devenir cet homme. Tout simplement, il ne faut pas chercher la confrontation. C'est la seule clé, mes chers amis, c'est la seule clé. Changez de route s'il le faut, montrez votre gilet jaune euh, 500 mètres plus loin. C'est le seul chemin. C'est le seul chemin pour qu'on arrive à réussir notre révolution. Et je vous rappelle que, comme je vous le demande, euh, il faudrait prévoir demain donc quand vous partirez au travail ou, ou ailleurs comme je l'espère vous avez dû le faire aujourd'hui euh, votre gilet jaune donc plié dans votre euh, sac à main, dans votre cartable, dans la poche de votre manteau ou même dans la poche de votre jean si vous arrivez à l'insérer et... Euh, et donc le sortir calmement et le mettre à 13 heures pendant une minute si vous si nous arrivons de plus en plus à faire cet acte quotidien cet acte quotidien à 13 heures il n'aime pas le chiffre 13 les Templiers et eh bien nous contaminerons dans le bon sens par le bien par notre création nous contaminerons euh, plein d'autres personnes qui n'osaient pas, euh, jusqu'à présent, manifester publiquement et ouvertement euh, leur appartenance aux Gilets jaunes et leur soutien aux Gilets jaunes, qui ne se voyaient pas aller suivre les faux Gilets jaunes tous les samedis euh, et suivre les appels des merdias mais qui autour d'eux n'avaient pas euh, trouvé avec qui sortir, se mettre en groupe pour donc euh, manifester leur sentiment d'être gilet jaune. Donc ils vous, verront, hein, ils vous verront sortir votre gilet jaune, que vous soyez au Burger King, euh, que vous soyez en train de prendre un café ou en train de vous balader dehors à la pause déjeuner ou que vous soyez dans la dans la cantine de votre entreprise eh bien ils vous verront au métro dans le bus et ça ça fera quelque chose dans leur tête et je suis absolument certain Qu'une partie de ces personnes reviendront dans les jours qui suivent avec un gilet jaune dans leur sac à main, dans leur cartable, dans la poche de leur manteau, et que ces personnes auront compris le message, le message de transmettre le message à d'autres. Alors. Quand elles vous questionneront, vous dites à 13h. Et de toute façon, l'information, à force, circulera. Si vous, tous les jours, vous le sortez à 13h, je pense que, à force, si dans une rame de métro, à 13h pétante, il y a plusieurs personnes qui sortent leur gilet jaune, certaines personnes viendront vous questionner, vous leur répondrez, et d'autres, comprendront d'elles-mêmes à force de répétition comprendront d'elles-mêmes le message faut pas espérer que les merdias en parlent mais nous n'avons que faire d'eux euh, un mot et après donc je coupe le live et je vous salue un mot donc c'est obligé c'est l'actualité donc sur cette septuagénaire euh, à Nice tout simplement pour ceux qui ne, qui n'avaient pas encore acquis un certain esprit d'éveil et d'analyse, ceux qui ne sont pas à mon contact. Alors vous, vous pouvez acquérir cet esprit de manière autonome ou au contact d'autres personnes mais si vous êtes depuis un moment à mon contact, je pense que vous aurez compris qu'au final, c'est très récurrent. Et les images chocs euh, sont rarement le fait du hasard. Donc là, sachez... Euh, donc euh, je vais vous lire quelques notes. Déjà, nous avons une, un premier, une première incohérence déjà. C'est tout frais. Nous avons déjà une première incohérence. C'est... Que finalement, cette septéage génère n'est pas et n'a jamais été dans le coma. Euh, L'avocat de la famille fait marche arrière. Donc, cette dame s'appelle Geneviève Leguet. Geneviève Leguet. Et euh, son avocat, donc, Maître Alimi. Elle a été blessée lors d'un mouvement de foule à Nice. Et donc, le, son avocat euh, a dit cette phrase Elle n'est pas dans le coma et ses jours ne sont pas en danger. Voilà. Donc, il précise qu'elle a 73 ans aujourd'hui, ou de, enfin depuis hier, et alors qu'on ne savait pas trop, on lui attribuait entre 71 et 75 ans. Donc, Maître Harrier Alimi a confirmé que sa cliente était une militante et qu'elle manifestait en zone interdite. Il confirme qu'une plainte a été déposée contre la police, mais aussi contre le préfet des Alpes-Maritimes, qui aurait donné l'ordre d'intervention. L'avocat, donc euh, maître Harrier Alimi, est membre de la Ligue des droits de l'homme. Et donc il y a eu euh, une enquête d'ouverture par le TGI de Nice, par le procureur. Alors, je ne vais pas tourner longtemps autour du pot. Je suis en train, donc on est en train de faire euh, une enquête, bien entendu. Mais d'ores et déjà, même depuis hier, d'ores et déjà, je peux vous dire, si vous ne l'avez pas encore compris, que ça pue. D'accord euh, Voilà une militante LGBT qui au départ, ça vous rappelle pas l'affaire Rodrigue, qui au départ euh, on nous a dit qu'elle était dans le coma, que elle est entre la vie et la mort, que là on apprend qu'elle n'a jamais été dans le coma et que ses jours ne sont pas en danger, mais ce n'est pas suffisant, alors il y a plein d'autres éléments qui me font penser de manière très sérieuse à ce que cette affaire soit une énième orchestration mais euh, je n'ai pas prévu d'analyser ceci ce soir je vous donnerai donc une analyse complète comme il se doit comme je vous ai habitué avec tout ce qu'il faut les images à l'appui les preuves mais d'ores et déjà je peux vous dire que ça pue ça pue même de très 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 loin et on tirera cette affaire au clair voilà mes chers amis je pense que c'est pas mal pour ce soir je vais vous saluer et on va s'arrêter là j'ai besoin de repos. Et vous aussi, tiens, euh, c'est tellement rare qu'il faut le préciser. On a Dantan Quoi, qui est de Twitch, la plateforme pour jeux vidéo. et bien, bonsoir, mon cher ami. Donc, c'est la, la deuxième fois que je te vois. Et je pense que tu es, es le seul que je vois sur cette plateforme. Nous avons Harry Potter sur VK. Bonsoir, Harry Potter. Allez, je vais essayer de saluer un maximum de monde quand même. Je prends rarement le temps. Alors, alors je vous lirai pas mes chers amis, si vous me posez des questions ou des commentaires, euh, je vais allonger encore le live. Donc là, je vais juste vous saluer. Euh, Liles euh, bonsoir et bonne nuit. Euh, Joachim, Geronimo, Asia Marie. Mintset Wolf, Hélène Canet, Marivonne Deschamps, euh, Vive le peuple, comment tu vas? Philippe Napleralo, Antonio Lumia, Ginette Riester, comment vas-tu toi aussi? Tiens, Did Mousseline de. Euh, sur VK, comment tu vas, cher ami Toujours présent. Hein Francis CH, comment tu vas Dilou Lou, comment tu vas, cher ami Eh bien, ensuite, on va passer ici. Hop, alors, est-ce que j'ai loupé quelqu'un Tiens, Max euh, moondog cher ami euh, Lilessless, même si je t'ai déjà cité, je te recite. Mathieu Le Grand, le samouraï, ça c'est mon samouraï, Mathieu Le Grand, un homme vaillant. Oulouloulou, lou 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 bonsoir. Zef Largo sur VK aussi, ah ben il y a de plus en plus de monde sur VK. Bonsoir. Allez, Asiamari. Bonne nuit à toi aussi, bonne nuit à vous tous et à vous toutes. Voilà, ça va faire un beau live, pas trop rallongé. Comme ça, vous pouvez voir et revoir ce magnifique, ce très très beau gaulois, Gilet jaune, qui donne l'exemple. C'est exactement comme ça qu'il faut se comporter. Il ne faut pas euh, aller chercher la confrontation, tout simplement. On vous demande de reculer, vous reculez. Mais vous gardez votre gilet jaune, vous montrez que vous êtes là, tout simplement, vous obtempérez, vous ne cherchez pas la confrontation, vous expliquez que vous ne faites rien de mal, mais tout en obtempérant, tout en reculant, et si, comme vous le voyez, comment il a été malmené, agressé, violemment, eh bien, vous euh, ne faut pas réagir. Hein, vous laissez faire, vous laissez faire malheureusement, il n'y a aucune autre option euh, possible, il y a aucune, zéro. Voilà mes chers amis. Allez, bonne nuit.